Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec les vampires et avec Katox. Salut Katox. Salut. Katox qui a décidé de nous rejoindre pour ce combat, donc on va le faire ensemble. Et ça va quand même être tendu, en face il y a quand même une sacrée qualité. Vu que j'attaquais de l'extérieur avec l'armée assiégeante, nos renforts ne sont pas immédiats, ils arriveront dans 1 minute. Et les leurs arriveront dans 46 secondes. Donc ils arriveront plus vite, mais ils sont quand même hyper loin, on s'est mis le plus loin possible. L'objectif ça va être d'essayer de profiter un peu de nos mortiers, même si en face il y a un canon apocalypse de l'enfer indémoralisable et tout. Donc on va essayer de le sniper avec un mortier comme on peut. Même si je pense qu'on gagnera pas la bataille de siège, tant qu'en tout cas les renforts ne seront pas arrivés. Et puis on va compter tenir. le nombre d'unités spéciales. T'en as des belles, hein. Oh là là. Ah ouais, bah ils sont énervés. Hein. Enfin, c'est vrai que je pourrais les montrer. Hein. On a ici là un buveur de sang un peu énervé, hein, n'est-ce pas, avec des yeux magnifiquement. Les chevaliers du trône des reins, ils sont pas mal du tout, franchement. Le canon apocalypse avec sa sympathique petite couleur violette et ce petit nain du chaos, n'est-ce pas, qui devrait du coup pas tarder. On a le marquis du masochisme. Oh ce nom. Ah ouais. Marquis du masochisme quoi. Et c'est vrai qu'en fait il a toutes les unités abusées de... du chaos, les unités uniques du chaos, mais en plus en régiment de renom quoi, c'est un truc de fou quoi. Mais du rejeton, du troll. Les surfeurs là, les chevaliers de la ruine, ils sont aussi. Ah, les chevaliers de l'immolation. Ouais. Ah ouais. Et t'as vu les. Putain, mais 100 tireurs, ça va être tellement tendu. Allez, les chevaliers du trône des reins, pour moi c'est... Les massacreurs de cornes, ouais, c'est ce que j'étais en train d'aller voir. Ouais, je me disais, je les vois à l'envers. Oui, ok, ils se sont fait demi-tour. Ah ouais, bah c'est sûr que voilà, hein. T'as pas envie de te laisser emmerder, hein. Ah non, ça c'est clair. Bon bah écoute, on va voir qui c'est qui va gagner, hein. Alors déjà, il est en train de courir avec son canon, donc il me tire pas dessus, à limite ça me va. Là, on s'est pris une badine du trompeur sur les mortiers. Pourquoi pas? Ça y est, il tire. Alors, on va devoir un gros tracé rose. Le problème, enfin, le truc avec ces canons, c'est qu'ils sont généralement relativement précis. Ça va encore. Ouais, honnêtement, je m'attendais à bien pire. Hein. Par contre, t'as. Je m'attendais à une équivalente de la Reine Bess, quoi. Ah, nos renforts sont déjà arrivés. Bah, il est si hein, qu'ils s'y foutent. Ouais, ils sont en train de t'éclater, c'est quand même du gardien des cryptes. Ouais, mais c'est ceux qui n'ont pas de bouclier, donc... Ouais. Alors, du coup, hop, tout ça, c'est pour toi. T'as droit à du Skaven en plus. C'est cool. Ouh. T'as droit à Tonton Zonzon et Ivy la Chouette. Et normalement, tu dois avoir encore quelques trucs qui devraient rentrer sur le champ de bataille. On va peut-être se replier un peu quand même avec eux. Voilà. Hop, hop, c'est donné. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge, il y a un truc bleu au-dessus de lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Allô? On va caler une petite résurrection des familles sur ces gardiens des cryptes. C'est sûr que moi, hein, les mecs ils courent un peu dans tous les sens, mes mortiers ils font pas aussi mal. Hein. Bon, il est en train de faire une méga ligne de front. Sans grande surprise. Nous, pendant ce temps-là, on ressuscite nos gars. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec son mortier, son canon, son truc?
petite merde qui court tout à gauche là. C'est trop loin pour qu'on s'en occupe malheureusement. Alors ça commence à bouger à droite. Ah, soit je crois que Rudolf il est pour toi. Je te file Rudolf qui est tout à droite là, qui s'est foutu tout à droite. Ouh, il défonce nos Vargas le petit fumier. Quand un contournement. Magie là. C'est acceptable. Enfin c'est acceptable, ça pique le cul quand même. Attends, deux secondes de pause. Où est son chef? Il est là. Est-ce qu'il a porté de ça? Pas du tout. Les enfants de Tsin sont en train de charger. Là, il a ses chars qui sont sortis. Ça, c'est de l'anti-large. Ouais, mais c'est un peu tôt là. On va essayer de choper ça et ça. Vous, vous allez protéger les mortiers. Ça, c'est trop tôt. J'en mets. C'est quoi ça, Chantudieu là? C'est un héros? Chantudieu spécialiste de mêlée. Ah d'accord, oui ok, c'est un mec sur son cheval de corne. Qui est considéré comme piquant le cul visiblement. Le contournement qu'il nous fait, deux chars. Là, il va falloir. Pas là. Là, vous voulez là-bas. On va se bouger les fesses. Ça, c'est quoi ça? Charrette à bras zéro infernal. Ok, là, il a décidé de sauter directement là-dessus. On va lui envoyer un petit truc comme ça. Un petit truc comme ça. On peut pas. Oh la violence! Je sais même plus ce qui se passe quoi. Alors attends. Ça fait tellement mal au cul. Il y a lui qui est en haut en train de faire je sais pas quoi. Ici c'est la merde, on est obligé de rester là. Ah oui, il s'attire à distance ce truc, le prince démon là. Non, c'est en contact mais il faut encore qu'il descende. Le carrosse noir, ça c'est en déroute, on va essayer de choper ça. Non, on va essayer de choper ça avec vous. Et là on va... Elle est par ici. Ici. Il faut qu'on se reforme. Ah mais celui-là je l'ai pas vu, c'est quoi ça? Les invocateurs de rage, des dragons ogres. Des dragons ogres de renom aussi. Non mais enfin c'est un truc de taré quoi. Qu'est-ce que c'est que cette armée de fou? Sérieusement? Bref la pause. Necromancer. Allez, essaye d'aller faire un peu le taf là. Bah, faudrait plutôt que t'ailles par là, même si ça fait chier, parce que c'est ici qu'il y a. Non, mais qu'il y a des gens à tuer, même pas vraiment. Des gens à tuer partout. Si on se fait dépouiller, il nous faut quelqu'un. Là, en avant. Ah, on a encore du renfort qui arrive. C'est parti, venez renforcer ce front là, courez. Le carrosse noir il est un petit peu trop tout seul là, il faut qu'il sorte de là. La cavalerie, demi-tour. Ici, on fait le taf. Là on est en train de se faire défoncer par les dragons ogres, mais un truc de fou. On n'a pas de magie, c'est ouf quoi. Bon, le héros il est en train de se faire ouvrir par... Ah, les héros volants là, mais. Ouais, on s'est fait choper par des chars du chaos à l'arrière. Vous courez là-dessus, là, les petites merdes de la garnison, elles vont aller s'occuper de ça. Elles vont se faire défoncer, mais. Ça fera le taf. Oh putain, tu es en train de dépouiller quoi. Allez. La couronne de commandement, c'est le moment. Ici, on a réussi à ouvrir le canon, ça c'est une bonne nouvelle. On va essayer d'ouvrir les sorciers maintenant. Le carrosse noir fait le taf. Où est ma cavalerie?
Elle est en déroute. Oh putain, au bout du monde. Il nous faut une charge là-dedans. Ah oh, mais le dragon ogre quoi. C'est tellement le drame. Toi t'es où? Le marquis en fuite, hein, c'est parfait. Il y a gros sac. Ok très bien. Qui glande? Toi tu glandes. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas, demi-tour. Guerrier se rassemble ici, très bien. Est-ce qu'on peut pas caler une petite résurrection des familles là? Allez, faut aller se faire ce duc du changement là. Ici, on change de direction. Ici, pareil, on change de direction. Où est la cavalerie? Elle arrive tant bien que mal à faire sa charge. Le carrosse. Il fait son taf, hein. Avec la charge là, ça peut aider. Ah, mais il y a des trucs indémoralisables au milieu du tas, quoi. Bon, on perd des unités et sont remplacées par des guerriers squelettes. Donc ça va, non? Oui. Win-win, comme on dit. C'est ça. Alors attends, je me pose deux secondes, il faut que je trouve quelqu'un sur qui lancer mon buveur d'esprit. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est quoi? Ok, ça c'est une saloperie ça. Ça c'est... Le buveur d'esprit il est pour toi. Est-ce que tu vois leur seigneur? Il est mort ou... Oh, pas le seigneur. Je le vois pas non plus. Que j'en ai tué un ou deux par-ci par-là. J'ai une armée sur le duc du changement là. Victoire est à portée de main. Essayez de vous occuper de ça vous. Ici pareil, sans des routes, c'est parfait. Bon, les mortiers sont fait dépouiller, mais à une rigueur c'est pas hyper grave. Les trucs qui sont en déroute. Oh, il te reste pas mal de cavalerie, c'est cool. Elle est en train de se faire dépouiller, elle par contre, faut qu'elle se replie. C'est peu. Allez, machine. Ah putain, il sert de partout quoi. Ah, on a une nouvelle cavalerie qui a sorti, ça c'est cool. Ça c'est en déroute, c'est parfait. Ouh, mais ça ressemble à une victoire. Si je ne m'abuse. Il y a un truc indémoralisable qui est pas mort encore. On va tarder. Voilà. Bien wesh. Bon, on va essayer de continuer d'éclater tout ce qu'on peut. Hein. Ouais, complètement. Des trucs qui se dissolvent pas. Ça par exemple, du troll du chaos, on a quoi comme truc rapide? Là on a du volant. On peut les rattraper ça vite fait. C'était fou le clos quand même, hein. J'ai réussi à me libérer d'un... Allez, d'un flanc, de tuer le buveur de sang là, de corne. Il était coriace celui-là. Et le carrosse noir, il a réussi à atteindre le 80 victimes quand même, hein, pas mal. Their time has come. On va profiter du fait qu'il nous reste un chouille de magie pour... On va essayer de tuer des trucs. Si je vais sur les trolls du chaos en armure, je pense que je vais pouvoir les choper. J'arrive à tuer les...
Mine de rien, avec des chauves-souris, j'ai réussi à buter un dragon ogre, hein, c'est pas mal. Toi, pourquoi tu cours pas après un truc, toi? Tu m'expliques un peu ce que tu fous? Sérieusement? Vampire. Et bah ça a fait le taf, je suis content. C'était pas gagné. Mais on s'en est tiré. On s'en est tiré, c'était une belle bataille. Bon, j'arrête là. Hein. Je pense que... On devrait avoir suffisamment de troupes, même surtout avec la résurrection, pour les poursuivre si besoin. Et on a bien réussi à le buter, le prince démon d'Otsinch là. Les régiments de renom, surtout, on les a dépouillés. Ça, ça fait plaisir. Il en reste 250 troupes quoi. Bon, notre armée principale a bien mangé sa mère le temps que les renforts arrivent quoi, mais bon. C'est clair. Ça va, ça va. 200 morts pour la cavalerie quand même, beau score. Alors, qui c'est qui revient? On perd un, deux spectres des cairns, un garde des cryptes. Nos gardes des cryptes. Alors, oui, ça, on a vu ça juste avant la bataille avec Katox. Les gardes des cryptes, là, ils s'appellent Johann zu Pissendorf. Et j'ai absolument pas souvenir d'avoir renommé ça, donc je pense que l'IA avait renommé ça avant que je récupère cette armée. Ouais, mais c'est tu marrant. Peux popper avec des. Tu peux popper avec des troupes qui ont des noms comme ça. Alors, est-ce qu'on prend la reconstitution? Je pense que. Ah mais par contre on a perdu Ivy la chouette. Non, on a perdu la chouette. Oh non. Et elle a vu le buveur de sang arriver, elle a fait bonjour et c'est tout. C'est terrible. La première fois dans une partie que je renomme quelqu'un Ivy la chouette, elle se fait buter quoi. Et ben du coup on va dire qu'on l'a pas vu et que ce sera celle-là. Terrible, terrible histoire. Alors, toi tu gagnes un niveau, tu gagnes 4 niveaux, très très bien. Ça, les tireurs d'élite sylvaniens, ça ira, merci. Tu vas prendre ça. Le moral a bien tenu quand même. Hein. Franchement, c'était une belle bataille. Hein. Il faut du ça, il faut du ça. Toi, il faut de la reconstitution. La résurrection, tonton zonzon, il a fait le taf aussi avec son dragon zombie, hein, j'ai vu. Attends, il est monté pour le combat au corps à corps en plus lui, hein. Vache. C'est les mecs que j'ai récupéré de l'IA, mais... Il a quasiment toutes les compétences de combat. Du coup, on va rester dans cette optique-là. On essaiera de se souvenir qu'on a un mec sur dragon zombie qui est là pour fight. Alors, la caméra, n'importe quoi, hop là, on se retourne, nickel. Alors du coup, on peut aller reprendre cette rune, on va pas se gêner. Hop là, on colonise. Eshen est de nouveau à nous. Et donc là... On a... Une chouette ici qui pourrait faire des trucs. Non, bah non, vu qu'elle a réussi à tuer au tour d'avant, on peut rien faire. Il faudra qu'on aille se débarrasser de ça, mais on est en train de recruter. Cela dit, on recrute des trucs à un tour, donc on peut les annuler. Il y a une bannière qu'il faut que je mette, c'est quoi? Coureur, hein, sur quoi on pourrait mettre ça? Sur le carrosse noir? Allez, c'est parti. Alors, tonton zonzon, t'as quoi comme équipement? Dégâts au mêlée, ouais, beauf. C'est un peu de la merde les trucs qui tombent là. Si je peux utiliser ces mots. Certes dur mais réaliste. Allez, bon. Maintenant faut qu'on se replie parce que Archéon il va peut-être pas kiffer. Hein. Normalement, voilà, on est hors de portée de toutes les armées. Et on va mettre
une petite chebichouette au combat, je pense. Ça changera un peu. Je lui file un bouclier et une arme qui va maudire les gens. Ça ira très bien avec son style. Et avec tous ces morts, hein, il y a bien des trucs à ressusciter. Même pas en plus. Déçu. Du coup, ça, peut-être pas. Niveau cavalerie, on va en prendre un de plus. Ah, mais c'est deux tours. Bon, non, du coup, on va prendre deux tours. On a deux tours de tranquille. On va prendre une machine mortis. En plus, lui, il est monté pour avoir chariot de la mort. Ah, il booste les carrosses noires, les charrettes macabres et les machines mortis. Donc on a tout intérêt à prendre genre un deuxième carrosse noir par exemple. C'est parti. Ok, c'est quoi ce truc? Ah, c'est une caravane de caté. Ok. Et bah cette bataille est en fait. Maintenant il faut qu'on gère les autres mouvements. Bring me zombie fodder. Et bring me zombie. Oh, ce sera une défaite valeureuse ça. 10 tours pour faire des tours de siège, vous êtes sérieux? Quoi? Main d'œuvre disponible par tour 1? C'est pas des trucs. Oh la vache! Ça doit être un truc spécial de Karako Hippique. Passage souterrain. Usure moins 50% lors d'un siège subi. Des garnisons. Ok, il est énervé ça, sa ville, hein. Je dis pas le contraire, mais j'avoue que là. Ça fait un peu mal au cul quand même. Hein. 3, 4 de cavalerie, c'est suffisant. Il nous faudrait peut-être. Un petit Devergulf, tiens. Devergulf. Machine mortis, on a déjà. Ça, c'est du bourdon maudit. Un peu de volant, allez, hop. Bah, du coup, on va se mettre comme ça. Et puis, on va. Pas ce qu'on va faire. Mais on va le faire en tout cas. Allez Shubiti, 40% de chance d'assassiner ce personnage, c'est raté, dommage. You can do it. Non. J'ai pas dit le mot magique, c'est ça qui manque, me dit Shubiti. C'est vrai que je n'ai pas dit le mot magique. Un peu de cavalerie, un comme ça, un comme ça. Un comme ça, un comme ça. Ok. Bim. Il est descendu en dessous des 16 000 de revenus, il va falloir que je me calme dans mon recrutement moi. Encore un, là on est pas mal niveau ligne de front, niveau force. Il nous faudrait un peu plus de choc, un peu plus de cavalerie. On a que 2 de cavalerie, ouais un peu plus de cavalerie. Voilà, pas mal ça. C'est pas mal. Et là, on a une armée. Ouh, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est fait défoncer là, alors qu'il est toujours en train d'assiéger. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit pas qu'il a envoyé ses armées dessus, non? Ok, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas très grave. On va se mettre en marche. Bon, ici on va perdre des trucs, y a pas moyen malheureusement qu'on fasse autrement. Étant donné que l'autre nous a déclaré la guerre en mode YOLO. Alors ici, comment ça se passe? Arenessa s'est replié. Du coup, Ikit a repris des trucs. T'as pas l'impression de jouer un peu au con? Enfin sérieusement quoi. Attaque-moi ce mec, défonce-le. Et après on reparlera de ton utilité. Sérieusement quoi.
Le comte Nostradinus, il est un petit peu coincé pour quelques temps. Ce qui est quand même un peu dommage. Donc il va se la jouer hop en mode raid. Bon, quoi que non, on va même prendre la mer. Comme ça, on prend pas d'attrition quand on prend la mer. Et on se prépare à débarquer et attaquer ça. Bon, ça me va bien. Ok. Manfred, l'ami Manfred. L'ami Manfred. Ah là, il est obligé de rester dans son territoire parce que l'autre s'est foutu juste à la portée là. Le petit salaud. D'accord que si je repasse en marche normale, je prends de l'attrition. C'est parti. Alors, Gael'dead. Gael'dead, il a des gens à tuer. Et à piller accessoirement. Gael'dead qui gagne un don pour le combat. Lourd pratique. Allez, s'il te plaît, essaye de tuer ce personnage, Choubisou. Faut dire que Gael'dead, il a sécurisé tout le sud de l'Arabie là, des jungles et tout, en ligne droite, en marchant, ville après ville, et là il est arrivé tout au bout de la map. Et ça c'est quand même beau. Alors qu'est-ce que t'as comme niveau? On va prendre l'attaque éclair, toujours pratique. Et là, bah, t'as rien d'autre à prendre, donc tu prends ça. On a encore quelqu'un qui a pas bougé. Daedino, 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 tu es où? Tu es là. Ah, tu peux pas attaquer ça en un tour? Bah, tant pis, du coup, deux tours. Hein. L'autre, il fait quoi là? Fait sa vie. On travaille la reconstitution. Ça sert à rien, puisque ça va rester là pour surveiller la ville. Alors, il nous reste 1000 balles. Est-ce qu'avec 1000 balles on peut compléter cette armée? J'ai bien envie de foutre un morgul dedans. J'aime beaucoup les morgules. Pour leur style plus que pour leur efficacité en vrai, mais. C'est la même chose que dans un MMO. Il choisit l'armure pour le style, pas pour les statistiques. Exactement. C'est important. Allez, on peut faire des choses. C'est quoi cette ville? Ici on n'a pas bougé, non? Si, là on a bougé, ah oui, là on a bougé, là on a bougé. C'est quoi ce petit bled tout pourri là? On va construire ça dedans, voilà. Allez, bâtiment endommagé. Construisons. Et on passe le tour, ça y est. Wouhou! Mais Katox n'a pas fini encore. Je me perds dans les tentatives de récupérer des sous chez les gens. Pendant que je fais mon tour, toi tu fais la diplomatie et essayer de piquer de la thune, c'est ça? Ça, je tente de trouver le bon. Le bon truc. Le truc où tu peux prendre 299p au lieu de 300. Ah sérieux là on gagne là? Attends, le mec il nous attaque avec un seigneur, deux héros, trois héros. Et on gagne avec notre petite garnison en perdant une unité de zombies. Bah go. Bah la première attaque du clan Angroon, je pensais qu'il allait marcher dessus et conquérir toute la map, mais. En fait. Ah oh, non. En fait pas du tout quoi. C'est carrément le contraire. Bon, je pense que Karakovipis qui nous fait chier, c'est... Oh, une caravane est arrivée. Vous pourrez peut-être piller les richesses qu'elle transporte. 3000 balles, on garde. Hein.
la chasse sauvage d'Orion. Ah. Ça ne regarde pas tout de suite. Donc là, du coup, Karaku pique, on va l'assiéger. Oh là là, zéro de main-d'œuvre disponible partout. 57 tours de garnison, quoi. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'ils prennent de l'attrition au moins? Je suis même pas sûr qu'ils prennent de l'attrition. Non, même pas. Ah la vache. Bah écoute, on verra s'il faut amener du renfort, on amènera du renfort. Chobizou, non, Chobiti. Il y a une petite armée de renfort qui s'approche là. Pour une fois, on va te demander de la retenir, hein, s'il te plaît, plutôt que de l'attaquer, plutôt que de tuer des gens. C'est un échec de nouveau. Voilà, terrible. Terrible échec de la joueuse française. Terrarites de l'ouest, les terrarites du sud, les... Ah, mais on peut faire plein de bâtiments à Chocho City. Très bien, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Une petite ancienne armurerie, ça me paraît pas mal. On peut améliorer la garnison, ça me paraît plutôt une bonne idée. Ça, c'est inutile. Ça, c'est inutile. Est-ce qu'on va chercher les machines mortis et les terrorgeistes ou les chevaliers de sang? C'est pas trop du recrutement dans le coin, donc on va partir sur les bonus. L'autorité, taux de recherche. Voilà, taux de recherche. J'ai envie de dire, pourquoi la question se poserait? Pourquoi la question? Pourquoi je peux pas bouger là? C'est quoi la blague? Pourquoi je peux pas avancer dans ce sens là? Tu te fous de ma gueule? Ah mais c'est parce que c'est le labyrinthe infini d'Ockham, donc j'avance à 2 à l'heure, c'est ça? C'est le concept? Ah bah voilà, t'arrives à taper sur des gens. Petit à petit, on avance. Non, ils ont dû me faire, ils ont dû réussir à me ralentir, hein, c'est pas possible. Bon, écoute. Ah, c'est possible que t'es des héros. Hein. Ok, Archéon est en train de reculer, ce qui va nous permettre, nous, peut-être, d'avancer un peu. Docteur Frankenstein prend un petit niveau, assez pour avoir une évasion, parfait. Alors par contre, il y a du monde là, il y a une armée dehors, une armée dedans, il y a des murs, ça fait quand même une belle garnison. Du coup, on va progresser par là. Ah, on perdra nos morgules. C'est triste, mais c'est acceptable. Mais c'est inacceptable. Si c'est acceptable, c'est acceptable. Dans ton armée, toi, mon gars. Ardacula, où es-tu? Tu es là, c'est toi, voilà. Est-ce que on pourrait pas mettre, voilà, bah tiens, une petite armure au seigneur malheur et un mec qui trouve des objets magiques qu'on vient d'avoir là. Voilà. 4% de chance de trouver des objets magiques, c'est très bien. On peut recruter nos morgules direct ou pas? Non, dommage. Est-ce qu'on peut améliorer la qualité de l'armée du coup à la place? On a une belle ligne de front, on a un morgule qui est revenu. On pourrait prendre du carrosse. Le carrosse, c'est pas mal quand même. Une petite cavalerie. Une petite cavalerie d'outre-tombe en plus. Allez. Parce qu'on est gourmand. Thanks. Parce qu'on est comme ça. Alors, l'elfe sylvain, il me déteste, bien sûr. Mais. Combien tu voudrais pour me donner ça? Visiblement, beaucoup. Pourra le menacer. Menacer une faction est un acte de trahison. Votre taux de fiabilité sera réduit et une guerre sera déclarée. Oui. Ok, il décide de déclarer la guerre. Alors la guerre, ce sera. On va apprendre à ces elfes sylvains à nous respecter.
On va faire du petit bois. Aussi. Ah mais c'est vrai, je garde une place dans, dans cette armée pour Isabella, zut. C'est que je vais virer toi. Allez toi. I am unstoppable. Oh, il lui manque 20 cm quoi. C'est pas possible. Alors ici, si jamais on y va comme ça, ce serait une défaite de justesse. Alors déjà, on a des étendards. Les attaques magiques sur le Vargulf peut-être. Ce serait bien qu'ils attaquent magiques le Vargulf. Plus de commandement sur toi et sur toi. C'est parti, on continue le siège. Si vous nous attaquez, je pense qu'il s'en mordra les doigts. Il a pas d'armée de façon à porter autour, il a plus rien. Alors, Gael'dead, qu'est-ce que tu peux faire maintenant que t'es rendu là? Tu veux aider Manfred à progresser? Ouais. Ouais, ouais, la rigueur. Hein. Par contre, comment ça tu peux débarquer nulle part? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Pourquoi je peux pas me déplacer dans cette map? C'est abusé ça! C'est un bug ou quoi? Follow me. Ah si, voilà, ça y est, fallait que je sois dans l'eau pour qu'il calcule en fait. Ok, admettons. Allez, Gael'dead, on est parti. Choubizou, c'est pareil, tu nous suis. Est-ce que tu peux débarquer Choubizou? Choubizou elle peut débarquer, parfait. Alors, Nostradinus, c'est la loose de débarquer sur cette zone. Mais il faut... Ah d'accord, en fait t'es sorti de l'eau pour revenir. Et du coup tu peux passer par exemple en mode raid. Ou attaquer ça direct, d'accord. Okay, c'est l'estimation qui était toute pourrie. On va progresser en Terre Skaven. Parce que pourquoi pas. Ça dégage. Parfait. Daedino. Il attaque ça. Parfait. Ça c'était à nous donc on ne pille pas. Alors, des niveaux. Ah bah voilà, un buveur d'esprit plus plus. Pourquoi se gêner? Un petit peu de vie ici, là on va prendre l'évasion. Bernoff il s'est pas déplacé, il faut qu'il refasse son armée Bernoff. Il nous faudrait un petit comme ça en ligne de front, c'est tout ce que je peux recruter ici. On pourrait recruter de nouveau un petit mortier, ce serait pas mal. Et deux Wargulf, allez deux Wargulf pour le plaisir. Vraiment pour le plaisir. Juste pour ouais. Après tout on est remonté à 21 000 sous hein, il faut bien qu'on fasse quelque chose avec. Bon, on dirait que Squeak il est complètement dans le mal là. Je sais pas ce qu'il fout. Qu'est-ce qu'on a comme objet magique qu'on pourrait te donner? Pas grand chose. Un démoralisable et une 40% de bonus de charge, c'est pas mal. C'est tout pour un Styrgoy. Goy. Alors, qui c'est qui s'est pas déplacé? Pispousse, bah oui, Pispousse elle continue de surveiller là. D'ailleurs, l'armée là est en train de se replier. Cette fameuse armée avec que des grosses bestioles dedans. Il
ordre disponible. Encourager la terreur. Toujours pas de crise de fin de tour, hein? Non, on va croire qu'on l'a mis beaucoup plus tard. Peut-être à partir de 125. Peut-être, ouais. Ah, j'ai oublié, fait qu'on passe l'épisode. Il est un petit peu long, c'est pas grave, on aura un épisode un petit peu long. Qu'est-ce que tu veux, Quick? Tu veux qu'on rejoigne la guerre? Non, bah non, démerde-toi. Montre-moi que t'es utile et après on viendra t'aider. Prove yourself. Arcane, sa menace principale, c'est les errants de Bordelot, tiens, intéressant. Il veut une alliance défensive, du coup non. Ah, là il décide de sortir. Ok, alors il vient avec quoi? Un mec tout pourri, ok. Bon, pas mal de joueurs d'épée, de l'arbalétrier, ça c'est quoi? Du mortier, ok, très bien. Waouh, là il y a du monde là. Cavalerie volante, donc ça veut dire qu'il a un Pégase, donc il doit être assez élevé. Ok. Et bah du coup, on le fera lors du prochain épisode. On va affronter des cavaliers demi-griffons à Hallebarde. Oh, ça va. On devrait le faire. Et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Salut.